وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alors cette parole, combien de fois je dois la réciter chaque jour, Najmi? 100 fois. 100 fois, très bien. Et vous savez, Mazir, il est venu me voir tout à l'heure. Et il m'a dit, Mouallim, moi j'aimerais bien réciter cette parole, mais je ne sais pas compter jusque 100. Alors écoute, écoute bien Mazir, il ne faut pas être triste. Il ne faut pas être triste parce que tu ne sais pas compter jusque 100. Regarde, je vais te donner une technique très facile. Est-ce que tu sais compter jusque 10? Fais voir. Ah oui. Viens ici. J'écoute Mazir. Il va se mettre ici, que je l'entende bien. Et je vais voir. Mets-toi ici. Pour l'instant, que 10. Avec tes doigts, fais-moi voir comment tu comptes que 10. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Je compte jusqu'à ce peu. Jusque 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, c'est magnifique. Eh bien, si tu sais compter jusque 10, regarde. Tu dis La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et tu répètes La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et tu répètes 10 fois. Quand tu as fait 10 fois, attends, écoute-moi. Quand tu as fait 10 fois, et bien tu refais. Et tu fais 10 fois, 10 fois. Si tu fais 10 fois, 10 fois, ça fera combien? 20. Non. 100. 10 fois, 100. Pas 2 fois. 10. 100. Très bien. 100. 10 fois 10, ça fait 100. Maintenant, si tu te souviens plus de la, du dua que l'on est en train d'apprendre, du dhikr, tout doucement, tu remettras la vidéo à ta maison. Et tu répéteras cette parole jusqu'à ce que tu la connaisses. Mais pour le moment que tu ne la connais pas, les enfants, retenez. Pour le moment que tu ne la connais pas, tu peux simplement répéter La ilaha illallah. Exactement, répète cette parole. Tu dis La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, etc. Et ça tout le temps, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans la voiture, quand tu es, peu importe, tu répètes cette parole. Par contre, les enfants, là, vous allez écouter et après, quand le cours il est terminé, vous pourrez répéter cette parole, d'accord, lorsque vous serez dans votre voiture ou à la maison ou peu importe. Là, ici, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un sujet très important. J'ai voulu vous parler d'un sujet très important. Écoutez les enfants, vous savez qu'au jour de la résurrection, vous vous souvenez, on avait parlé des balances, qu'il y aura 2 balances. Et bien, la ilaha illallah, cette parole, elle pèse très très lourd dans la balance. Ça veut dire que si elle pèse lourd, qu'est-ce qui va se passer? Ça va descendre. Tu auras beaucoup de hasanat. Et tu auras beaucoup de hasanat, exactement. Tu auras beaucoup de hasanat et tu pourras aller au paradis. Et vous savez, les enfants, je vais vous raconter l'histoire que nous a raconté le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il y aura un homme de ma communauté, un homme musulman, au jour de la résurrection. Allah, il va lui demander de venir devant tout le monde. Et les interroger. Et l'interroger, il va l'interroger. Écoutez bien cette histoire. Écoutez bien ce hadith. Et cet homme, il avait fait beaucoup de bêtises. À tel point qu'Allah Azza wa Jalla, il va lui présenter 99 registres. Comme des grands livres avec toutes les bêtises qu'il a fait dedans.
toutes les erreurs qu'il a fait dedans. Tout, il sera tout dit ce jour-là. Alors Allah Azza wa Jal, il va étendre ce livre. Vous savez, un parchemin, quand tu l'étends, il sera étendu jusqu'à ce que tu ne peux plus voir. Alors, Allah Azza wa Jal, il va lui dire, est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce qui est marqué dedans? Lui va dire non. Ya Rab, oh mon Seigneur, je suis d'accord avec tout. Parce qu'Allah, il est pas injuste. Allah, il est juste. Alors Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, est-ce que tu as une excuse pour expliquer tes péchés? Est-ce que tu as une excuse pour expliquer les bêtises que tu as faites? Ou est-ce que tu as une bonne action, une hasanat que tu as fait pour que ça les efface? Alors qu'est-ce qu'il va dire là? Il va dire non. Il va dire, ya Allah, j'ai pas d'excuse. Ya Allah, j'ai pas fait de bonne action. Il n'y a rien qui peut les effacer. Alors l'homme, pour lui, pense qu'il va aller en enfer. Mais Allah Azza wa Jalla, on a dit, il est juste. Et cet homme, il a fait une bonne action qu'il avait oubliée. Mais Allah, il lui a dit, si tu as auprès de nous une bonne action, une hasanat, et tu ne seras pas victime d'injustice. Allah, il n'est pas injuste. Allah Azza wa Jalla, il est juste. Alors, Allah Azza wa Jalla, il va ordonner qu'on sorte pour cette personne une bitaqa. Répétez bitaqa. Bitaqa. C'est quoi une bitaqa? Une bitaqa, c'est comme une carte. Comme un petit papier. Alors, on va lui sortir un petit papier. Et sur ce petit papier, vous savez ce qu'il est écrit? Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sur ce petit papier, il sera marqué, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. C'est le premier pilier de l'islam. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, ya Allah, qu'est-ce que ce petit morceau de papier, qu'est-ce que cette petite bitaqa, cette petite carte, elle va, imagine que lui, ses péchés, ils sont lourds, lourds, lourds. Il va dire, comment un petit papier qu'on va mettre ici, comment il peut être plus lourd que ça? Alors Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire? Allah, il va lui dire, tu ne seras victime d'aucune injustice. Tu ne seras pas victime d'injustice. Alors Allah, Azza wa Jalla, va placer le papier dans la balance de ses hasanat. Et vous savez ce qu'il se passe? Exactement, cette hasanat, elle va être lourde, 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 lourde. Et ça va venir effacer, ça va venir effacer tous les autres registres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cette parole, les enfants, elle est plus lourde que les péchés. Elle est plus lourde que les péchés. Que les erreurs. C'est pour cela que dans ton cœur, tu dois aimer cette parole, tu dois apprendre cette parole. Avec ta langue, tu dois répéter cette parole et tu dois appliquer cette parole. C'est-à-dire que tu ne dois adorer que Allah. C'est qui le plus fort? Allah. Qui est le plus grand? Allah. Qui est le plus beau? Allah. Qui est le seul qui mérite d'être adoré en vérité? C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'accord les enfants? Donc répétez sans cesse cette parole. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wahda. Wahda. La sharika la. Wahda. La sharika la. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala. Wa huwa ala.
كل شيء قدير.